abandonado todo aos homens. Aleluia. Alléluia. Seigneur, bénissez-nous, Dios. Que me estás abandonando. Amen. Merci, Sauveur. Abandonado todo homem, e maltratado por todo ser, invadiram nosso Alléluia. Ce soir, je veux vous le dire aussi. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité. Et ce soir, il est au milieu de nous. Que Dieu soit béni. Qui le crée, qui le croit que le Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni et que la gloire de Dieu puisse se manifester ici ce soir. Alléluia. On va demander aussi à notre frère Miguel et El Golard de bien vouloir prier le Seigneur. Amen. On prie ensemble de nouveau, nous demandons de nouveau la bénédiction de Dieu, l'onction du Seigneur. Amen. Seigneur Padre, te pedimos gracias, Rey. Gracias a Dios por lo que se está pasando aquí, Rey amado Jesús. Seigneur Padre, derrama tu bénédiction. Amen. Seigneur Padre, te presentamos todos tu palabra, Seigneur, la alabanza que se está haciendo, Rey amado Jesús. Parte toda cadena, Rey amado Seigneur. Gracias a Dios. Amen.
Seigneur, à toi la gloire ce soir, mon Jésus. Tu vois ces instants, mon Sauveur, à combien nous te disons merci. Amen. Quel privilège nous avons d'être là, de pouvoir te prier, t'adorer, Seigneur mon Dieu, être près de toi. Merci pour ta présence qui est ici, Seigneur mon Dieu. À combien nous voulons te demander de prendre toutes ces choses, tous ces instants entre tes mains, oh mon Dieu. Seigneur, que des chaînes puissent être brisées. Amen. Seigneur, nous voulons proclamer la victoire en ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu. Seigneur, bénis grandement ce peuple. Et à toi soit toute la gloire, mon Christ. Merci pour tout. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez pourquoi j'ai demandé aux frères de prier de nouveau? Parce que je ne veux pas passer à côté de la bénédiction. Amen, amen. J'ai trop peur de me tromper. Nous les hommes, on pourrait avoir une idée, une pensée, s'imaginer la réunion d'une manière, mais le Seigneur a prévu plus grand que tout cela. Amen. Alors de nouveau, j'ai senti le besoin dans mon cœur de dire, Seigneur, amen. S'il te plaît, amen. Si nous on chante, c'est pour ta gloire. Amen. Si celui qui bénit, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Alors nous nous attendons à toi, nous comptons sur toi. Amen. Et ainsi, on ne peut pas se tromper. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. On ne peut pas se tromper, on est obligé d'être béni. Que Dieu soit béni et glorifié. On va écouter le diacre, hein, Damien. Et l'Alfonso, il va nous dire comment il a rencontré le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ah, gloire à Dieu. Alors moi, c'est simple. Je vais raconter tout simplement comment Dieu s'est fait connaître dans ma vie. Alors moi, c'est pas compliqué. J'ai été tout simplement un garçon comme tous les jeunes, je suppose. Qui aimait le monde, qui aimait un petit peu tout ce que le monde peut offrir. Voilà, moi pour ma part, contrairement à mon frère Louis, j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai eu cette chance, si je pourrais dire, de connaître Dieu. Enfin, en tous les cas, autour de moi, j'ai toujours entendu parler de Jésus. J'ai toujours entendu parler de Dieu, que Dieu était capable de faire des miracles, que Dieu était capable de guérir. Et, mais bon, voilà, moi ça touchait mon cœur, oui, ça me faisait du bien de l'entendre, surtout quand ça agissait de ma famille, quand il y avait une guérison ou autre. Mais pour ma part, voilà, je ne prenais aucun engagement. Les réunions, ce n'était pas trop pour moi. J'avais dans ma tête et dans mon cœur, j'avais d'autres projets. Voilà. Et ma vie continuait comme ça. Et Dieu a décidé autrement avec moi, tout simplement. Parce que j'ai fondé un foyer. Et puis, les années sont passées. Et on était partis en vacances avec ma compagne. Et pour faire au plus court, on s'est trouvé en Espagne avec deux frères, deux chrétiens. Et je reconnais aussi que c'est un avantage de partir avec des chrétiens. Voilà, c'est pour ma part. Et donc, tout allait bien dans ma vie. Franchement, tout allait bien. Je ne pouvais pas dire que j'ai été mal, attristé dans ma vie, c'est pas vrai. J'avais tout ce qu'il fallait pour être heureux. Mais voilà, une fois arrivé en Espagne, j'ai eu des complications avec mon fils, qui était asthmatique de base, rien de bien méchant. Et d'une crise d'asthme, en fait, je me suis retrouvé à l'hôpital. Et comment dire, d'une crise d'asthme, en fait, que normalement, on avait l'habitude, en deux heures d'hôpital, on rentrait à la maison. Mais là, non, c'était pas comme ça. Il y a eu des complications. Donc, je savais pas vraiment ce qui m'arrivait, honnêtement, parce que ben, c'était tout nouveau. Et puis, je laissais ma femme, ma compagne. Elle s'occupait, elle était à l'hôpital, moi j'étais un petit peu à part, on va dire. Et je voyais qu'en fait la situation s'aggravait. Et je commençais à prendre de plus en plus conscience. Donc j'étais un petit peu plus jeune. Et là j'étais seul, j'avais pas mes parents, j'avais pas ma famille, j'avais pas forcément les amis. Et j'avais la chance, Dieu avait prévu que je parte avec des frères. Radio. Et qu'eux me disaient, tiens Alphonse, tout ce qui se passe, ben c'est pas bien méchant. Faudrait que tu pries le Seigneur. Et puis Dieu va agir, Dieu va bénir. C'est les paroles des chrétiens, tout simplement. Mais moi, je n'étais pas chrétien. Et j'étais un petit peu loin de sa grâce. On va le reconnaître. Et tout seul, parce que bon, ben, les hommes, c'est bien souvent comme ça. C'est seul dans mon désespoir, vraiment. Et je me suis posé les bonnes questions. Dieu a permis que je me pose les bonnes questions. Et les questions, ben, elles étaient simples. Je me suis dit en moi-même, d'un cœur sincère, c'est une prière en vérité que je formulais. Je disais, si vraiment tu existes comme tout le monde le prétend, que ce soit envers ma famille, que ce soit envers les chrétiens que je parle, parce que chez moi il y a beaucoup de chrétiens, j'ai alors, tu es capable de le faire aussi pour moi. J'ai la situation est compliquée, ma femme elle n'était pas du tout chrétienne, elle ne connaissait pas du tout l'évangile, contrairement à moi. Et la prière, elle était ainsi, mais en vérité, elle était vraiment du cœur.
Gloire à Dieu. Pour la première fois, elle était vraiment du cœur, parce que les prières, j'en avais déjà faites avant. Et là, je remercie le Seigneur, parce que je vais pas tarder, mais le Seigneur connaît toutes choses, en vérité. Je pense que j'avais besoin de ce moment. Le Seigneur, eh ben, il n'a pas tardé à agir dans ma vie. Il a béni mon fils, il a béni ma vie, je me suis rendu compte que vraiment Jésus, eh ben, c'est lui qui a intervenu, parce que même les médecins ne comprenaient pas vraiment ce qui s'est passé. Mais dans tout ça, le Seigneur, il connaît mon cœur. Dans tout ça, il y avait quelque chose qui me chamaillait vraiment dans ma tête. C'est rare que je le dise dans mes témoignages. C'est que ma femme, elle ne connaissait pas l'évangile. Et moi, je savais que c'était Dieu qui avait béni. Je le savais, c'était sûr à 100%. Mais dans mon cœur, je me suis dit, ma femme, elle va être confuse. Elle va dire que la médecine s'est trompée ou qu'il y a eu quelque chose. Vous savez, quand on n'est pas chrétien, qu'on ne connaît pas les choses de Dieu, je pense que hein, c'est facile à faire les décisions, à les prendre vite. Mais le Seigneur, encore une fois, il a béni. Il a béni encore ma vie. Parce que quand j'ai présenté la situation à ma femme et que je lui ai dit que tout simplement, c'était une prière que j'ai formulée, amen, que les pasteurs sont venus prier et que je le croyais fortement dans mon cœur, ben sans plus tarder, ma femme, elle a été baptisée aussi. Gloire à Dieu. L'Esprit Saint. Je pense que Jésus agit réellement dans son cœur parce que moi, j'avais aucune capacité. Moi-même, j'avais du mal à venir à Dieu. Eh ben, elle a été bénie. Aujourd'hui, il est vrai qu'on a nos petits combats comme beaucoup de chrétiens. Mais franchement, j'ai un foyer transformé. Ma vie a été transformée. Même si des fois, il y a rien qui va dans ma vie. Parce que des fois, ça arrive aussi. On n'est pas des surhumains, comme on dit. Mais j'ai toujours cette paix. Alléluia. Et puis ma femme aussi. Alléluia. On passe par des problèmes, eh ben, j'ai toujours cette paix. Amen. Avec le respect que je vous dois, je m'endors et je suis en paix. Amen. Je me lève, eh ben, j'ai cette joie dans mon cœur. Gloire à Dieu. Je vois mes enfants grandir. Et sur des détails peut-être qui sont insignifiants, mais ils me respectent par rapport à ma marche chrétienne. Alléluia. Et franchement, je le dis rarement dans mes témoignages, mais pour moi, ça a comblé toute ma vie en vérité. Je Amen. Vois, Seigneur. Et franchement, ce soir, je ne sais pas, je ne connais personne ici. Peut-être un ou deux qui sont au fond, mais je ne connais pas grand monde. Mais il faut le croire. Et si vous êtes ici, vous avez pris la bonne part. Amen. Alléluia. C'est ce que moi j'avais fait un jour. Alors que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. C'est vrai, quand on vient à la réunion, et puis qu'on a une difficulté, un problème, quand on prie le Seigneur et que le Seigneur exauce la prière, on peut tout de suite mettre ça sur le compte de la fatalité. Or, comme par hasard, maintenant il a été guéri le petit. Mais en continuant à marcher avec Dieu, chaque jour, il a découvert le Seigneur davantage. Amen, amen. Comme il a très bien dit, il a été baptisé du Saint-Esprit, lui, sa femme bénie, un cœur changé, un cœur brisé. Aujourd'hui, hein, il pourrait venir n'importe qui. Lui dire que Dieu n'existe pas. Il respecterait la personne. Mais dans son cœur, il sait qu'il a rencontré Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Alors peut-être que cette réunion pour toi ce soir, tu vas dire que c'est une fatalité. Le pasteur a parlé, la Bible a parlé, et puis ça a tombé sur mon problème, sur ma difficulté, comme par hasard. Mais je t'encourage à continuer. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et glorifié, on va écouter encore un beau cantique à la gloire du Seigneur. Hein. On écoute notre frère et la routine nous chanter un beau cantique. Et mon cœur était attristé parce que je ne pouvais pas venir en vérité. Et à la dernière minute, j'ai appelé Tony. Je dis, Tony, vous êtes toujours à Rien. Il me dit, ben, on attend du tout, on va partir. Et j'ai dit, ben, attendez-moi, j'arrive. Et bon, Dieu. Vraiment, j'étais vraiment content de participer à cette réunion. Que Dieu vous bénisse. Le cantique que je vais chanter, il dit, qui m'a aimé va s'asseoir. C'est-à-dire, quelle image tu vas me donner. Quelle mesure tu peux lui donner à Dieu aussi. Père, tu bénis Jésus.
insensé. Si tú no sabes mis medidas, si te fueras a los montes, madera te faltaría. ¿Qué moje me vas a hacer? Si tú no sabes mis medidas. Aleluya. Si de piedra la hiciera, piedra te faltaría. Tu camino no son mi camino. Tú no piensas como yo pienso. Aleluya. No separa gran montaña ni tus ideas y tus intentos. Yo soy el Todopoderoso, hecho de carne. Sufrimiento, no me podrás medir. De lo grande de mis hechos, no me puedes medir. Yo soy el que soy, no me puedes medir. Yo soy la divinidad. Aleluya. C'est Dieu qui posait une question. Et il disait, gloire à Dieu. Comment tu vas faire pour me mesurer? Et puis nous, on mesure beaucoup Dieu. C'est-à-dire qu'on le limite beaucoup. On se dit, ben ce soir, ben je ne pourrai pas être béni. Ou alors ce soir, ça sera une fatalité. Ou alors ma maladie, le Seigneur ne peut pas la guérir. Ma prière, le Seigneur ne peut pas l'entendre. Souvent, nous limitons Dieu. Mais dans ce cantique, le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous ce soir et il dit, tu ne peux pas me limiter.
tu ne peux pas me mesurer parce que je suis celui qui est. Alléluia. Donc ce soir, cette réunion ne dépendra pas de Dieu, malheureusement. Alors peut-être que ça va vous choquer. La réunion ne dépendra pas de Dieu. Parce que Dieu, sa part, est en train de la faire déjà. Amen. Cette réunion dépendra de ton cœur. Alléluia. Si, simplement de ton cœur. On va prendre encore quelques minutes et ensuite on laisse la place à la parole de Dieu. Je voulais vous raconter une histoire, s'il vous plaît. C'est l'histoire de deux hommes. Et ils ont un bon terrain chacun. Un magnifique terrain. Mais voilà, ils voudraient bien pouvoir semer pour récolter quelque chose, mais il y a bien longtemps qu'il ne pleuvait pas. Alors ils étaient bien embêtés, le terrain il était sec pour mourir. Et puis ils vont se rencontrer les deux au bord du grillage, chacun de son côté de la parcelle du terrain, et ils vont se parler. Et ils vont dire, tu vois, si simplement il pourrait pleuvoir, on pourrait semer et on pourrait récolter, on pourrait être béni. Et puis un des deux était chrétien. Et il va dire, tu sais ce qu'on fait? On va prier Dieu. Amen. Que dans sa grâce, il puisse faire qu'il pleuve. Pour qu'on puisse être béni et récolter quelque chose. Alors ils vont dire d'accord, tous les deux. D'un commun accord, ils vont prier. Et ils vont dire, Seigneur, s'il te plaît. Les chrétiens disent que tu es capable de faire pleuvoir, d'exaucer les prières. Alors s'il te plaît, Seigneur, fais-le, tu vois qu'on en a besoin. Alors, un des deux, après avoir prié, il va rentrer dans son camping, dans sa maison. Il va se mettre tranquille sur son banc et il va attendre la pluie. Et le deuxième, vous savez ce qu'il va faire ? Il va sortir dehors et il va commencer à travailler la terre. Il va labourer le terrain. Amen. Et puis de loin, il le regarde et il dit, mais tu fais quoi? Il dit, je viens de prier et j'ai la foi que la pluie va arriver. Alors je prépare le terrain. Alléluia. Je prépare d'avance le terrain. Que Dieu soit béni. Nous devons avoir le même comportement. Amen. On a prié à plusieurs reprises pour que Dieu puisse envoyer la bénédiction. Amen. Pour que Dieu puisse bénir les cœurs. Alors n'attendons pas tranquillement la bénédiction, mais préparons nos cœurs. Amen. Alléluia. Préparons nos cœurs. Alors on va chanter un tout dernier cantique. Et je voudrais vraiment que ce soit un cantique chanté avec l'Esprit de Dieu. Amen. Et je voudrais que tout le monde, tous ensemble, on puisse le chanter. Demain, on va faire une belle chorale pour le Seigneur. Et en chantant ce cantique, on va préparer nos cœurs. On va préparer notre terrain. Alléluia. À recevoir dans quelques minutes la parole de Dieu. Amen. Vous voulez ensemble qu'on puisse louer le Seigneur et dire, Seigneur, on le sait déjà, tu vas bénir. Alors on veut se préparer à recevoir la bénédiction. Amen, amen. On le sait déjà, Seigneur, parce qu'on te l'a demandé. Alléluia. Alors pour celui qui le veut, celle qui le veut, on va fermer nos yeux, se recueillir devant Dieu, réaliser ces moments que Dieu nous donne à vivre ce soir. Quelle grâce nous avons de là. Quelle grâce nous avons d'être ici. Le Seigneur, dans quelques minutes, va nous parler au travers de son messager. Il va envoyer la bénédiction jusqu'à nos vies. Amen. Mais pourvu que nos terres soient préparées. Alléluia. Pourvu que nos cœurs soient préparés. Alors on va louer le Seigneur ensemble. Amen. Alléluia. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Señor bendito. Levanto mis manos. Aunque tenga mi problema. Levanto mis manos,
de reprendre ensemble. Et nous demandons à Dieu de disposer nos cœurs. Je voudrais que l'Église et vous tous qui êtes ici, vous puissiez le chanter avec moi-même. Je lève mes mains. C'est ce que nous faisons par la foi, parce que nous espérons recevoir. Même si je n'ai plus de force. Même si des forces viennent à te manquer, lève tes mains au ciel et demande à Dieu. Je lève mes mains. Oui, Dieu est là. Nous le disons par la foi, s'il vous plaît. Amen. Dieu est là. Quelle grâce que le Seigneur soit ici au milieu de nous. Amen. Oui, Dieu est là. Manifeste-toi, Jésus. Dieu est là pour te bénir. Dieu. Maintenant, nous allons écouter sa parole. Mais avant ça, je voudrais bien que mon fils puisse se lever. Gloire à Dieu. On a fait participer tous les frères qui sont venus. C'est avec un grand plaisir. Et mon fils n'est pas encore baptisé. C'est un jeune garçon de 14 ans. Et puis il m'a dit, papa, la dernière fois, tu es allé à Saint-Laurent, tu ne m'as pas pris. C'est compliqué de venir avec la famille, avec tout le monde. Et alors, j'ai dit, Seigneur, ce soir, je viens. Tu viens d'abord. Alors, je voudrais qu'il puisse prier. Pour le pasteur, que tout va au porti. Alléluia, quelle grâce nous avons. Alléluia. Que vos enfants puissent s'élever dans l'évangile. Amen, amen. C'est le meilleur avenir que vous pouvez avoir. Amen. Alléluia. Alors, je vais demander à mon fils qu'il puisse prier pour le pasteur et que le pasteur puisse vous annoncer la parole. Alléluia. De Dieu. Alléluia. Seigneur, Seigneur Jésus, bénis cette réunion, Seigneur Jésus. Amen. Temps, Seigneur Jésus, pour qu'il puisse l'évangile, Seigneur Jésus. Je que tout le monde soit disposé, Seigneur Jésus, à. Recevez ta parole, Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Et que Dieu servisse, bénisse son messager. Alléluia. Amen. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hier matin, mais nous sommes en âme et dans la joie parce que de nouveau ce soir, ce n'est pas une réunion de plus, mais c'est une bénédiction de plus. Amen. Je ne sais pas si vous voyez l'atmosphère, comme il a changé à l'India. Tout à l'heure, c'était un peu vent contraire comme cela, alléluia. Mais quand nous avons commencé, alléluia, quand nous avons prié, alléluia, il y a le ciel qui s'est ouvert, alléluia, et la présence de Dieu, alléluia, a pris toute la place dans cet endroit. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Amen. Qu'importe l'endroit où c'est que nous nous sommes et nous nous trouvons, alléluia,
Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde et il dit comme cela, que quand deux ou trois sont unis en son nom, alléluia, eh bien je me trouve au milieu. Alléluia. Et ce soir nous sommes plus que deux ou trois, alléluia, nous sommes quelques-uns, quelques-unes, alléluia, et pour glorifier, pour nous régénérer, pour ben, demander, pour ben, nous approcher, pour ben, recevoir de la part du Seigneur, alléluia. Et vous savez, tu me diras si c'est mes leçons. Parce que nous sommes tous unis dans un même esprit. Amen. Et c'est pour cela, alléluia, que nous pouvons ressentir ce que nous sommes en train de ressentir maintenant, alléluia. Amen. Ce n'est pas quelconque chaud-froid que tu es en train de ressentir, alléluia. Et ce qui se passe là dans ton cœur, alléluia, vient de Dieu. Amen. Il vient de Dieu. Amen, alléluia. Alors je vais suivre la lancée, alléluia, à travers les témoignages, alléluia, qu'il y a eu, dans laquelle ils ont été une grande bénédiction, alléluia, amen. Dieu eh ben, nous a enseigné, Dieu a enseigné le peuple, alléluia, à ce changement, alléluia. Et ce n'est pas de maintenant, frères et sœurs, que les personnes demandent, alléluia, c'est de le moment où c'est que ben, l'évangélisation s'est faite, il y a plus de 2000 ans de cela, alléluia. Ils ne savaient pas demander, ils ne savaient pas frapper. C'était tout le temps la même routine pour eux, alléluia. C'était la loi, c'était les pharisiens, c'était les scribes, alléluia. C'était le souverain sacrificateur. Et c'était comme cela, des décennies et des décennies et des décennies, alléluia. Amen. Mais Jésus est venu sur cette terre pour pouvoir changer tout cela. Amen. Gloire au Seigneur, pour donner une espérance, alléluia, alléluia. Pour donner un chemin, alléluia. Pour donner un appui, que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Les gens de l'époque étaient déboussolés, alléluia. Les gens de l'époque, alléluia, en avaient marre, alléluia. Des parisiens, des scribes, alléluia. C'était tout le temps la même chose. Et tous les jours, c'était à recommencer. Tous les jours, c'était à recommencer, alléluia. Ils l'avaient marre, alléluia. Ils ont voulu un changement, alléluia. Ils ont voulu, alléluia, une direction sûre, alléluia. Ils ont voulu un appui sûr, alléluia. Ils ont voulu, alléluia, une parole, non pas, alléluia, dictatoire, alléluia, non, alléluia, mais une parole véritable, que amen. Le nom de Dieu soit béni, glorifié. Non seulement véritable, alléluia, mais une parole vivante. Amen. C'est ce qu'ils voulaient. Et c'est ce qu'il demandait, alléluia. Il voulait un changement, non seulement dans le cœur, alléluia, mais il voulait, les gens de l'époque, alléluia, un changement, alléluia, visuel. Amen. Ils en avaient marre de ces souverains sacrificateurs bien habillés. Ils étaient riches, alléluia. Ils se mettaient dans les coins des rues en train de prier à haute voix. Ils voulaient se montrer. Ils voulaient dire et voir et faire, alléluia, comme s'ils étaient les meilleurs, alléluia. Mais derrière ce langage, derrière ces paroles, il n'y avait rien qui se produisait. Derrière ces jolis vêtements somptueux des pharisiens, alléluia, il n'y avait rien qui se produisait. Le lendemain, c'était à recommencer, alléluia. À recommencer, à recommencer, à recommencer, alléluia. Ils ont voulu le changement, alléluia. Ils ont voulu, alléluia, ils ont demandé, comme ce peuple quand il était en esclavage durant 430 ans, alléluia, ils en avaient marre de cet esclavage. Ils ont crié à l'Éternel, Seigneur, envoie-nous, alléluia, un changement. Amen, amen. Envoie-nous un libérateur, envoie-nous un changement, alléluia. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Sache quelque chose, je ne sais pas combien de temps que tu es en esclavage, alléluia. Quelle que soit la passion que tu as, quel que soit le vice que tu as, nous sommes en esclavage, alléluia. Même dans le travail, alléluia, nous sommes esclaves, alléluia, du travail. Nous sommes esclaves de la passion. Nous sommes esclaves, alléluia, de tout ce que ce monde offre, alléluia. Et les gens de l'époque en avaient marre. Ils en avaient marre de cette routine. Ils en avaient marre de tous les jours faire la même chose. Tous les jours faire la même chose. Tous les jours faire la même chose, alléluia. Mais un jour, Jésus s'est adressé à toutes ces personnes qui en avaient marre, alléluia. Une réunion semblable à celle-ci,
Amen. La puissance de Dieu s'est manifestée comme ce soir. Elle est en train de se manifester. Alléluia. Amen. Il y avait un grand changement qui se produisait dans les vies. Alléluia. Ce n'était plus la prédication du pharisien. Alléluia. Ce n'était plus la prédication du sacerdoce. Alléluia. Non. Alléluia. Parce qu'elle était vaine. Alléluia. Elle était dictatrice. Alléluia. Et c'était une prédication qui n'avait pas aucun effet dans les cœurs. Alléluia. Mais quand la prédication de Jésus est venue, quand l'enseignement de Jésus est venu, alléluia, il s'est produit quelque chose dans le cœur, alléluia, comme si il fallait dire un terremoto, comme si ça serait un tremblement de terre. Amen. Qui se produisait, alléluia, dans le cœur, alléluia. Amen. C'était vivant. Amen. C'était palpable, c'était quelque chose, alléluia, de changé, alléluia. Le changement commençait à venir dans les cœurs. Amen. Le changement commençait à venir dans les cœurs, alléluia. Ne veux-tu pas être changé? Alléluia, alléluia. Personne n'a pu le faire. Ta compagne n'a pas pu le faire. Ton compagnon n'a pas pu le faire. Aucun a pu le faire. Alléluia. Et je demande pardon pour ceux et celles qui n'ont plus ses parents. Alléluia. Même nos parents, alléluia, n'ont pas pu nous changer. Alléluia. Mais je sais quelque chose, qu'à l'écoute de la parole du Seigneur, alléluia, amen, ce que je demandais, moi, dans mon cœur, se produisait. Amen, le amen. Changement. Alléluia. Le changement, alléluia. Que ça puisse être le thème de ce message ce soir, amen, pour toi dans ton cœur, alléluia. Que tu puisses ressortir d'ici changé, bouleversé, alléluia. Anéanti, alléluia. Que la chair, alléluia, puisse être détruite, alléluia. Amen. Afin que la personne spirituelle puisse naître. Gloria a Dios. Le changement. Le changement. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Les personnes étaient là, mais alors comment il faut que je fasse, Seigneur, pour ce changement? Et dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 7, alléluia. Regardez un peu. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle va dire à toutes ces personnes qui ne savaient pas? J'en ai marre de ces pharisiens. J'en ai marre de ces sacerdoces. J'en ai marre de cette prédication qui est vaine. J'en ai marre de cette prédication qui est dictatrice. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Je veux un changement. Que amen. Faut-il que je fasse? Et Jésus, devant la populace qui était là. Alléluia. Amen. Déjà, l'onction de Dieu se manifestait dans les cœurs. Gloire à Dieu. Déjà, la parole de Dieu par l'Esprit, l'a emporté jusque dans le cœur. Alléluia. Il y avait quelque chose qui se produisait. Alléluia. Et à un moment donné, alléluia, la parole de Dieu va dire comme cela à toutes ces personnes. Alléluia. Il va dire comme cela. Demandez. Demandez que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. Ah oui, mais à qui il faut que je demande? Alléluia. C'est vrai, à qui il faut que je demande? Alléluia. La parole de Dieu dira comme cela. Demandez. Et maintenant, vous allez recevoir. Alléluia. Il dira comme cela. Alléluia. Regardez un peu voir. Il dira comme cela. Tapez. Mais à qui, à quelle porte qu'il faut que je tape? Il faut que je tape à la porte du pharisien. Il faut que je tape à la porte d'une autre religion, d'une autre dictature. Alléluia. Non. La parole de Dieu dira comme cela. Tapez. Amen. Et on vous ouvrira. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Ah, d'accord, Seigneur. Il va continuer, il va dire comme cela. Cherchez. Cherchez, alléluia. Et maintenant, alléluia, vous allez trouver le nom de Dieu, soit béni, glorifié. Amen. Alors je ne suis pas théologien, je ne suis pas quelqu'un qui sait beaucoup parler, alléluia, tel qu'un avocat, non, j'ai pas ce langage-là, mon français est tout crapahuté, alléluia. Non, alléluia. Mais je sais quelque chose, alléluia, que j'ai regardé à travers le conseil de Dieu, alléluia. Amen. Il y a un personnage qu'il s'y trouvait, alléluia. Amen. Et certainement, alléluia, qu'il a dû entendre par le témoignage de quelques frères, alléluia, qu'il fallait demander à haute voix, alléluia. Amen. Et non pas à n'importe qui, alléluia, si ce n'est qu'il fallait demander à Jésus, que le nom amen de Dieu soit béni, glorifié, le Fils du Très-Haut, alléluia, le Fils de David. Alléluia. Ne demandez jamais, alléluia. Ne demandez jamais, alléluia, à une convention, ne demandez jamais, alléluia, à une congrégation, alléluia. Non, ne demandez jamais à un homme, ni à une femme, alléluia. Non, alléluia. Mais demandez, alléluia,
à Jésus. Amen. Alors je regarde dans le conseil de Dieu, dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46, il nous dit comme cela qu'il y avait un homme qui s'est rappelé de cette prédication. Et là, le Fils de l'homme va passer, il va se rappeler de ce témoignage qu'il avait reçu, alléluia. Et quand il va voir Jésus passer, alléluia, il va crier à gosier plein, alléluia. Hijo de David, amen. Fils de David, alléluia. Merci. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Il va demander en criant bien fort, alléluia. Il ne se trompe pas, alléluia. Non, il ne va pas demander un Jésus cloué dans la croix. Non, alléluia. Il ne va pas demander à une certaine religion. Non, alléluia. Mais il va demander à Jésus, alléluia. Amen. Fils de David, aie pitié de moi, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Vous savez, le convoi, la caravane de Jésus va s'arrêter. Et cet homme qui était devenu aveugle, alléluia, avait retrouvé la vue, alléluia. Parce qu'il a demandé. Amen. Il a demandé. Moi, je ne sais pas à qui tu demandes. Peut-être tu t'es trompé jusqu'à présent. Peut-être tu n'as rien reçu jusqu'à présent. Mais essaye, essaye. Oxygène, tout poumon, alléluia. Oxygène bien tes poumons, alléluia. Et regarde, demande à Jésus, alléluia. Amen. Fais comme Bartimée, écrit bien fort, alléluia. Hijo de David, ten piedad de mi. Fils de David, aie pitié amen, de moi. Amen. Alléluia. Et cet homme, alléluia, il va recevoir quelque chose que aucun a pu lui donner, alléluia. Il va recevoir, alléluia, la vue, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Amen. Peut-être pour toi, ça va être la délivrance. Ça a parlé de délivrance tout à l'heure, alléluia. Amen. Peut-être pour toi, alléluia, ça peut être la guérison, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Peut-être pour toi, alléluia, ça peut être un cœur changé. Alléluia. Je veux redevenir comme avant. Je m'adresse au papa. Je veux redevenir comme avant, alléluia. Avec mes enfants. Avec ma compagne, alléluia. Ou peut-être ta compagne, alléluia. Je veux redevenir comme avant, alléluia. Avec mon mari. Avec mes enfants. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Il est capable, Jésus, parce qu'il est le Fils de Dieu, alléluia, de changer toute cette situation. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Oui, amen. Je suis en train de regarder la Bible, il dira comme cela, alléluia, frappez et on vous ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Un jour, Jésus-Christ était dans une réunion semblable à celle-ci, et à un moment donné, la parole de Dieu dira comme cela, une multitude de gens l'entouraient. Et lui, il était là en train d'enseigner, en train d'apprendre à ces personnes, alléluia, à qui il fallait demander, alléluia, où c'est qu'il fallait qu'il cherche, parce que lui, il se disait, alléluia, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et c'est Jésus qui est en train de parler, de dire cela. Nul ne va au Père, alléluia, sans passer par moi, alléluia. Il est en train d'apprendre à cette populace, alléluia, que les pharisiens ne les sauvent pas, alléluia. Il est en train d'apprendre à cette populace, alléluia, frères et sœurs, que les lois, alléluia, que les traditions, les coutumes, alléluia, ne les sauvent pas, alléluia. Une seule personne, alléluia, mène au Père, Jésus. Amen, amen. Jésus, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Et là, à un moment donné, en pleine réunion comme cela, alléluia, il y a un personnage, alléluia, qui va venir frapper à la porte de Jésus, alléluia. Il ne devait pas. Parce que la Bible dira comme ça que c'était un pharisien. Et pharisien, et la loi de Jésus était contraire. Il ne fallait pas qu'il se trouve là. Il ne fallait pas qu'il frappe, qu'il toque à la porte, alléluia. Non, alléluia. Mais je peux te dire quelque chose. Que ce pharisien, alléluia, a bien fait de toquer à la porte de Jésus. Amen, amen. Il a bien fait de toquer à la porte de Jésus parce qu'il est venu le déranger, alléluia. Il est venu toquer à la porte de Jésus en lui disant comme cela, j'ai ma fille qui est malade, alléluia. Matthieu 9, alléluia. J'ai ma fille qui est malade, alléluia. Viens, tu lui imposeras les mains, alléluia, et ma fille vivra. Que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Amen. Il ne s'est pas trompé de porte. Il va dire comme cela, et c'est Jésus qui parle. Je suis la porte. Amen. C'est pour cela qu'il dit comme cela, que celui qui frappe à la porte, on lui ouvrira, alléluia. Amen. Le
Le pharisien ne s'est pas trompé. Alors, de nouveau, je le dis, je ne sais pas quelle est la religion que tu suis, alléluia. Peut-être que tu t'es trompé jusqu'à présent. Mais Jésus s'appelle la porte. Je t'invite à toquer à la porte de Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen, alléluia. Comment je vais faire pour toquer à la porte de Jésus, alléluia? Vous savez comment vous faites pour toquer à la porte de Jésus, alléluia? Tout simplement, alléluia. Vous parlez avec lui, vous criez Jésus, alléluia. Amen. Vous lui demandez en lui, alléluia. Et en lui demandant, alléluia, vous toquez à la porte de Jésus. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? La porte s'ouvre. Amen. Et quand la porte s'ouvre, alléluia, Jésus vous reçoit dans sa maison. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Amen. C'est ce qui se passe. Le pharisien, Jairus, lui, peut-être il a cru qu'il s'est trompé, alléluia, mais il ne s'est pas trompé. Non, il a toqué à la bonne porte. Et vous savez, Jésus est venu, alléluia. C'est pas que le pharisien l'a reçu chez lui, alléluia. Non, ça va plus loin encore. Parce que la pensée, elle va aller plus loin que cela, alléluia. C'est que Jésus, alléluia, va le recevoir spirituellement parler Amen. Chez lui, dans sa maison, gloire à Dieu. Dans ce monde, alléluia, spirituel, dans ce monde d'amour, dans ce monde de bénédiction, alléluia, dans ce monde, alléluia, de solution, alléluia, Amen. Dans ce monde où c'est que quand on demande, alléluia, on reçoit. Dans ce monde où c'est qu'on frappe à la porte, quelqu'un vient ouvrir, alléluia, cette personne s'appelle Jésus, alléluia. Il vient ouvrir la porte, alléluia. Il te reçoit les bras ouverts, alléluia. Il te reçoit les bras ouverts, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. Il dira comme cela, cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez, que le nom de Dieu soit béni, glorifié. L'évangile de Matthieu, chapitre 5, alléluia. Il est dit comme cela, qu'une femme, alléluia, elle a été déboussolée, elle ne savait plus où aller. La Bible dira comme cela qu'elle avait dissipé tout son argent parce qu'elle était malade, alléluia, sur le point de mourir, alléluia, et elle ne trouvait pas le remède pour elle, alléluia. Elle ne trouvait pas le remède pour elle, alléluia. Et vous savez qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entendre que Jésus passait vers chez elle, Amen. Tout près de chez elle, alléluia, comme vous, alléluia. La réunion se fait, Jésus est annoncé, alléluia, Amen. Et Jésus se trouve tout près de chez vous. Et vous avez bien fait de venir, alléluia. Amen. Parce qu'en venant, alléluia, vous recherchez la grâce, alléluia. En venant, vous recherchez la grâce. Et cette femme disait comme cela dans son cœur, alléluia, si simplement je pourrais, alléluia, passer à travers toutes ces personnes, essayer de toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Amen. Elle cherche Dieu, alléluia. Et vous savez, quand nous cherchons Dieu avec un cœur pur et sincère, nous le trouvons. Quand tu le cherches avec ta pensée, tu ne le trouves pas. Quand tu le cherches avec ta connaissance à toi, tu ne le trouves pas. Vous savez que Jésus fait les savants, alléluia, fous. Il rend les savants fous, alléluia. Les chercheurs les plus diplômés, les chercheurs, ceux qui ont été à l'école le plus longtemps, alléluia, il les rend fous. Parce qu'à un moment donné dans leur vie, ils reviennent aux sources. Amen. Ils reviennent à la parole de Dieu. Alléluia. Ils reviennent à la parole de Dieu. Gloria a Dios. J'ai rien trouvé. De moi-même, je n'ai rien trouvé, alléluia. Mais regardez un peu, moi, je vais essayer de raconter, alléluia, une expérience, un témoignage qui a été dit il y a très longtemps, alléluia. Dans une congrégation, il y avait une congrégation de savants qui était en train de se faire. Et chaque savant devait lire un passage de la Bible. Alors le savant, le meilleur des étoiles, alléluia, il va venir. Il va lire un passage de la Bible, une lecture formidable. Une lecture que personne ne pourrait faire pareil, alléluia. Un autre savant, un savant de la lecture, historien, alléluia, il va venir. C'est à son tour, il va lire la Bible. C'était un conte. Vous savez, de ces contes que nos anciens, alléluia, nos patriarches nous disaient, alléluia, qu'on restait comme cela et qu'on s'endormait, alléluia. Un historien en train de lire la Bible, c'était un conte, une fable. Mais quand il avait fini, c'était fini.
Il retourne à sa place. Et là, il y avait un savant de la Bible qui était là. Et c'était autour du savant de la Bible. Il y avait un problème parce que ce savant de la Bible ne le savait pas très bien parler. Tatareaba, il était bègue. Il parlait, c'était un savant, il connaissait beaucoup, mais il avait un problème de langage. Il était bègue. Alors les autres savants, celui des étoiles, des constellations, ils rigolaient parce qu'ils le connaissaient. Oh, c'est lui qui va lire. On va rigoler, on va passer un moment. L'autre, l'historien, alléluia, qui était là, c'était des collègues. Chaque année, ils étaient ensemble, alléluia. C'est lui qui va lire, alléluia. Mort de rire, par terre. Il était plié de rire, alléluia. Parce qu'il le connaissait, il était bègue, alléluia. On va passer un moment, alléluia. Et le savant de la Bible, quand il va ouvrir la Bible, et avant d'ouvrir la Bible, alléluia, il va faire quelque chose qu'aucun d'eux a fait, alléluia. Il va dire comme cela. Il va se tourner vers le savant des constellations, des étoiles. À la baronne. Il va dire comme cela, vous me permettez de prier, s'il vous plaît, avant de lire le passage de la Bible. Il va dire comme cela, au savant historien, alléluia, est-ce que tu me permets, savant historien, de prier avant de lire la Bible? Parce que ce n'est pas n'importe quel livre, alléluia. C'est la bouche de Dieu. Amen. Et quand nous ouvrons la bouche de Dieu, alléluia, elle ne peut pas tomber à terre sans faire de l'effet dans les cœurs, alléluia. Non, il y a quelque chose qui se produit dans l'âme, alléluia. Oui, prie. L'autre, oui, prie, alléluia. Et lui, il va dire deux mots. Deux mots remplis de Dieu. Il va dire comme cela. Seigneur, tu vois que je n'ai pas un très beau langage. Ton conseil va être ouvert, ta parole va être ouverte. Je voudrais, à travers ces quelques mots que je vais dire, alléluia, qu'un cœur puisse être touché. Amen. Ils étaient en train de rigoler. L'historien était en train de rigoler. Le scientifique, celui qui savait des constellations et de la lune, il était en train de rigoler, alléluia. Qu'est-ce qu'il va me dire encore maintenant? Ce savant biblique, alléluia. Qu'est-ce qu'il va me dire maintenant? Et vous savez qu'est-ce qui va se passer? Il va ouvrir la Bible comme cela. Il va tomber sur le passage clé de la Bible, alléluia. Sur le passage central, alléluia, de la Bible, alléluia. Il va commencer à lire comme cela le passage central, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Il va dire comme cela, alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, alléluia. Mais en même temps, il va dire, savant historien, Dieu t'aime. Savant scientifique, Dieu t'aime. Amen. Car mon Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Après eut fini, alléluia, il relève les yeux, parce qu'il est, il avait les yeux fermés. Il relève les yeux comme cela. Le savant historien, il était à genoux en train de pleurer, alléluia. Il avait, en cherchant, alléluia, trouvé Dieu. Le savant, alléluia, scientifique, alléluia, frères et sœurs, alléluia, était tombé à genoux en train de pleurer, alléluia. Il avait trouvé le Seigneur, alléluia. La congrégation, alléluia, elle était en train de prier, adorer le nom de l'Éternel, alléluia. Et vous savez qu'est-ce qu'il se passait là-dedans, alléluia? Des prodiges et des miracles, alléluia. Et le plus grand des miracles s'est produit, alléluia, c'est que l'intérieur de cette congrégation, alléluia, des cœurs furent changés, des cœurs furent bouleversés, alléluia, des cœurs furent convertis, alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et c'est ce Seigneur que nous vous présentons, c'est ce Seigneur qu'on vous prêche, alléluia. Amen. C'est ce Seigneur qui est maintenant présent au milieu Amen. De nous, Amen. Il a la capacité de changer ta vie, ton Amen. Cœur, alléluia, ce que nul a pu faire, alléluia, ce Jésus que nous prêchons, alléluia, il est capable de changer ta vie. Amen. Il est capable de changer ta vie. Amen. Et vous savez qu'est-ce qu'il va dire le savant scientifique? J'ai enfin trouvé Dieu. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il va dire le savant historien? Alléluia. J'ai enfin trouvé Dieu. Alléluia. Amen. Celui qui cherche, Dieu se laisse de trouver. Amen. Sur Luca Baba Baïs. Te quiero darte gracias. Gloria a Dios. Nous t'adorons, Seigneur. Prégame Dieu.
Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. Spiritu de Deus aquí. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Aprovecha. 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 Dieu se encuentra aquí. Merci. Dieu se encuentra aquí à la pierre. Dieu se encuentra à la derecha. Dieu se encuentra aquí en el centro. Aleluya. Dieu se encuentra aquí. Aprovecha. Aprovecha, prions Dieu. Nous prions le Seigneur, alléluia. Nous prions le Seigneur. Je laisse la place au pasteur. Merci. 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 Gloire au Seigneur. Alors nous avons entendu la parole de Dieu. La Bible dit que si on cherche, on trouve. Amen. Si on tape, on nous ouvre. Et si on demande, on reçoit. Amen. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va demander, on va taper, alléluia, et on va chercher Dieu, si vous voulez. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, eh bien, que ce phare soit la lumière de Jésus dans nos vies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni et glorifié. Amen. On le fait ensemble. On cherche Dieu. Alléluia, que Dieu soit béni. Sa parole a été claire. Alléluia. Claire, alléluia. Tapez et on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Donc je pense que maintenant, on va mettre ce message en action. Nous allons demander à Dieu eh bien, de se manifester avec puissance et gloire. Alléluia. Alors avant que notre frère nous chante un cantique, je voudrais que tous les frères que nous sommes venus ici, nous puissions nous lever ensemble et on va chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Con la venta mi tutto il mondo. Alléluia. On va chanter, pas pour chanter, mais pour demander l'intervention de Dieu. Tous ensemble, alléluia. On va faire une chorale et vous aussi, vous allez chanter avec nous. Alors maintenant, l'Esprit de Dieu va se manifester. Attendez-vous à une bénédiction spéciale de la part du Seigneur. Parce que nous avons prié. Nous avons demandé, nous avons tapé. Maintenant, le Seigneur va ouvrir. Alléluia. Alors, s'il vous plaît, nous allons prier le Seigneur tous ensemble. Que le vent de l'Esprit puisse souffler sur nos vies et que l'onction de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on va louer le Seigneur de tout notre cœur et chanter ce cantique de toute notre âme. Alléluia. Jésus a posé son regard sur nous. Amen. Et ce soir, il le pose sur toi et sur ta vie. Quelques minutes et nous terminons la réunion. Mais c'est les quelques minutes les plus importantes. Parce que la parole de Dieu t'a été annoncée. La parole de Dieu a été prêchée. Alléluia. Et maintenant, il faut que tu la vives. Amen. Que Dieu soit béni. Et ce soir, il le fait sur ta vie, amen. Et ce soir, son amour, il veut la partager avec toi, amen. Il t'invite à le suivre, à toi aussi maintenant. Merci Seigneur, alléluia. C'est pour cela
Jésus est là, alléluia, et ce qu'il veut ce soir, eh bien c'est de bénir ta vie et de bénir ton cœur. Que Dieu soit béni. Vous savez, on va prendre quelques minutes, parce que je suis obligé de le faire. C'est fort dans mon cœur de verdad. La parole de Dieu a été ouverte et elle a dit, demandez et vous recevrez. Amen. Cherchez et vous trouverez. Tapez et on vous ouvrira. Amen. Alors la Bible dit aussi que vous priez pour les malades par l'imposition des mains. Amen. Et les malades seront guéris. Amen. Vous priez par la foi. Et des délivrances seront opérées. Amen. Les chaînes seront brisées au nom de Jésus. Les rétrogrades reviendront à Dieu. Alléluia. Oui, alors ce soir nous voulons que la grâce de Dieu puisse se manifester. Alors notre frère Roy va venir ici nous chanter un beau cantique à la gloire du Seigneur. Et moi et l'ancien, on va se placer là-devant. Et que celui ou celle qui veut que nous prions pour lui puisse s'approcher. Alléluia, et nous prierons pour vous, au nom du Seigneur Amen. Jésus. Je vous le dis, par la Bible, que les malades seront guéris. Amen. Que ceux qui sont loin de la maison de Dieu peuvent accéder au ciel. Oui, que les chaînes seront brisées au nom de Amen. Jésus. Que le miracle de Dieu se puisse s'opérer dans ta vie. Alors oui, approchez-vous et nous prierons pour vous. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Roy, Seigneur Jésus. Utilise-le, Seigneur Dieu, comme un canal de bénédiction. Seigneur Dieu, gloire au Seigneur. On va vivre la parole de Dieu, si vous voulez. On n'est pas là pour faire un spectacle, mais on veut que la parole de Dieu se réalise. Alléluia. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. Celui qui cherche la guérison qui s'approche. Alléluia. Et on prie pour lui, au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis les cœurs. Qu'on vous chante la mort de destin. Seigneur, des chaînes vont tomber, des délivrances vont se faire, vous serez heureux. S'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Béni Jésus. Seigneur, tu vois cette sœur qui s'est levée, Jésus. Seigneur Dieu, je ne sais pas ce qu'il te demande, pour sauveur Dieu. Mais je sais que tu vas peut-être bénir, tu vas peut-être la guérir, la délivrer si elle en a un besoin particulier, Jésus. Je te demande, s'il te plaît, de tout mon cœur, Seigneur Dieu, de mettre ta main sur elle, pour sauveur Dieu. Et de déposer ta bénédiction dans sa vie, Seigneur mon Dieu. Tomber les barrières, tu vas faire tomber la maladie, tu vas faire tomber les liens, Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus. Je veux croire à la puissance de ton nom, Jésus. Je veux croire que tu vas agir car tu ne changes pas, Jésus. Merci de mettre ta main sur eux, Seigneur mon Dieu. Tu vois ce camp de la baronne, Seigneur mon Dieu. Tu mets la bénédiction dans ce lieu, Seigneur Jésus. Fais descendre une pluie de bénédiction sur eux, Seigneur Jésus. Qu'ils puissent voir la grandeur de ton nom. Qu'ils puissent voir que tu es encore ce Dieu qui délivre, Seigneur Jésus. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, Seigneur Jésus. Étends tes mains, mon sauveur Dieu, s'il te plaît. S'il te plaît, Jésus. Que tu puisses
Jésus ne met pas de l'eau. Yeah.
terminé. Ne reste pas dans ta chaise. Ne reste pas dans ton coin sans la bénédiction. Mais si tu veux qu'on prie pour toi, alléluia, tu t'approcheras et nous louerons l'éternel. Oh, s'il te plaît, Jésus. Alors ne te retiens pas. Approche-toi. Amen. Gloria al Señor. Dieu bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, oui. Jésus se manifeste encore aujourd'hui. Amen. Si. Si. Jésus se manifeste encore aujourd'hui. Alors je vais laisser la parole de la fin à notre ancien. À notre ancien. Et puis nous terminerons la réunion. Hein, que Dieu soit béni. Tous ceux et celles qui vous êtes levés. Je ne joue pas au prophète, parce que le Seigneur connaît mon cœur. Si je vous mentirai à vous, c'est riaton toyo, parce que Dieu connaît tout. Amen. Et je ne gagnerai rien. Croyez que vous avez reçu ce que vous êtes venu chercher. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas menteur. Il a dit, cherchez et vous trouverez. Tapez, on vous ouvrira. Demandez, vous recevrez. Amen. C'est ce que vous avez fait. Alléluia. Alors moi, par la foi, je tiens à vous le dire. Vous avez reçu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que Alléluia. Dieu vous. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, nous sommes venus avec assurance et certitude dans le cœur. Amen. Frères et sœurs, alléluia. Que ce soir, il allait se produire quelque chose. Si, Amen. Seigneur. Il s'est produit quelque chose. Amen. Mais j'ai reçu dans mon cœur, alléluia, une personne, alléluia. Une personne qui a douté. Une personne, alléluia, qui est venue, eh bien, pour venir, alléluia, et pour écouter. Mais elle a douté dans son cœur. Je m'adresse à toi, alléluia. J'envoie la pierre, alléluia, parce que je le reçois fort. Amen. Alléluia. Gloria à Dieu. Alors toi qui as douté, alléluia, ce soir, essaie de faire une expérience avec le Seigneur. Amen, amen. Dans ta chambre, alléluia. Dans ta chambre, alléluia. S'il te plaît. Dis au Seigneur, alléluia, si c'est vrai ce que les pasteurs disent, alléluia. Montre-moi, Seigneur. Et tu verras que le Seigneur, celui que nous prêchons, celui que nous annonçons, alléluia, ben te montrera. Amen. Te fera voir, alléluia. Te fera ressentir, alléluia, amen, ce que nous avons ressenti ce soir, alléluia. Il te fera voir, alléluia, ce que nous avons vu ce soir, alléluia. Il te fera toucher, alléluia, l'intouchable, alléluia, amen, ce qui est Jésus, alléluia, le Fils de Dieu. Il lui a été donné tout le pouvoir en haut sur la terre. Je ne sais pas pourquoi je le dis, ça, mais je le dis, alléluia. Il a été donné tout le pouvoir en haut sur le ciel, mais aussi sur la terre. Alléluia. N'oublie jamais cela, alléluia. Si, Seigneur. Je me répète de nouveau, alléluia. Il dira comme cela, nul ne va au Père sans passer par moi. Alléluia. Et c'est Jésus qui parle. Tu pourras faire toutes les congrégations, tu pourras faire, alléluia, toutes les réunions qui se font, alléluia. Mais un seul t'amène à Jésus, alléluia. Amen. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Crois-le fort. Amen. Amen. Je suis content parce que de nouveau nous avons été bénis. Amen. Alors la maison je vais de couper mes frères, que Dieu vous bénisse. Mes frères, que Dieu vous bénisse. Il fait comme ce refrain. Ma maison est petite. Mais mon cœur est grand. Amen. Dieu bénisse le fils, alléluia. Amen. Ses enfants qui se trouvent ici, sa Amen. Famille, alléluia. Alléluia. Tous de vous, alléluia. Que Dieu puisse faire une grande œuvre ici, alléluia. Ne cherchez pas, alléluia, à devenir un chrétien de 20 ans ou 30 ans, alléluia. Mais la parole de Dieu dira comme cela, nous ne sommes pas chrétiens, mais nous le devenons. Amen. Mais pour le devenir, alléluia, il faut le vouloir. Alléluia. Amen. Et je crois fort qu'ici, dans ce camp, alléluia, ou peut-être à côté, alléluia, il va se faire quelque chose de grand. Alléluia, il va se faire quelque chose de très grand. Amen. Il va se faire quelque chose de très grand. Si, Seigneur. Amen. Croyez-le fort dans votre cœur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.